quelque temps, Jean-Paul Sartre accordait à Radio-Canada une entrevue dont certains extraits ont fait l'objet du dossier Sartre de Beauvoir. Étant donné l'intérêt des propos tenus par le philosophe français, nous croyons utile de vous présenter ce soir la version quasi intégrale de cette entrevue. Jean-Paul Sartre était alors interviewé par Claude Lanzmann, rédacteur à la revue Les Temps modernes, et Madeleine Gobeil, professeur à l'université Carleton. Sartre, je voudrais commencer par vous interroger sur des aspects paradoxaux de votre situation actuelle. Vous vous dites solidaire des combattants du tiers-monde, mais il semble qu'il y ait un malentendu entre eux et vous à propos de cette solidarité. Il est arrivé que quand un homme du tiers-monde, un chef révolutionnaire, vous demandait une entrevue urgente, toujours dans les 24 heures car ils n'ont jamais le temps, vous répondiez « je ne peux pas ». Il vous est également arrivé de refuser de participer à des meetings de solidarité. Quand les gens qui vous demandaient de participer à ces meetings s'interrogeaient pour savoir pourquoi vous refusiez, nous leur répondions « Sartre ne peut pas, il travaille ». Et ils faisaient les yeux ronds. Quand on allait un peu plus loin dans la réponse et qu'on leur disait « Sartre a rendez-vous de telle heure chez lui avec M. Flaubert », ils comprenaient encore moins. Comme ils vous aiment bien, ils pensent que ce travail sur Flaubert est une sorte de doudada, mais également que Flaubert pourrait attendre et que vous seriez plus utile à votre poste de combat. À l'opposé de ces gens-là, qui sont en gros des hommes du tiers-monde, il y a toute une autre catégorie de gens qui pensent que c'est quand vous vous mêlez de politique que vous perdez votre temps. Votre acceptation, aujourd'hui, de présider le tribunal qui doit juger les crimes de guerre au Vietnam, leur paraît un geste absolument farfelu. Ils demandent en quoi cela regarde-t-il Sartre. C'est sur ces deux choses que je souhaite que vous nous répondiez. Eh bien, je crois que ces deux points de vue, que je connais bien d'ailleurs, et qui sont opposés, viennent de ce que, ni dans un cas ni dans l'autre, on ne sait ce que c'est qu'un intellectuel. Ou plutôt, pour préciser, qu'un intellectuel européen aujourd'hui. Je dis bien européen parce que dans le tiers-monde, je considère qu'un intellectuel a pour première tâche de servir le développement du pays, et par conséquent, de se mettre à la disposition du gouvernement et du parti, et d'être professeur, même s'il en revit, d'écrire, etc. En Europe, nous sommes dans une société capitaliste pleine de contradictions. Un intellectuel, c'est tout à fait autre chose. C'est d'abord, il faut savoir où il se recrute, dans l'ensemble que nous pourrions appeler les techniciens du savoir, du savoir pratique. C'est-à-dire, il faut entendre par là aussi bien les professeurs que les chercheurs, que même les ingénieurs, les médecins, les écrivains. Mais il ne suffit pas de faire son métier dans ce domaine-là pour être un intellectuel. L'intellectuel apparaît à partir du moment où l'exercice même de ce métier fait jaillir une contradiction entre les lois de ce travail et les lois mêmes de la structure capitaliste. Mettons, si vous voulez, que lorsque le savant, qui a nécessairement un rapport constant avec l'universel, puisqu'il cherche les lois, lorsque le savant s'aperçoit que cette universalité qui devrait se retrouver partout n'existe pas dans le monde, que là nous ne trouvons plus des concepts universels, mais que nous trouvons au contraire des classes opposées qui n'ont ni le même statut ni la même nature, que l'humanisme bourgeois, par exemple, qui se prétend universel, est en réalité un humanisme de classe, à ce moment-là, si on trouve cette contradiction, le savant la trouve en lui. Si, en même temps qu'il est élevé par les bourgeois, instruit par les bourgeois, et par conséquent, avec malgré tout des concepts bourgeois en lui, il sent que son propre travail le conduit à l'idée d'universalité qui est contraire
à celle des bourgeois et par conséquent à la nature qu'on lui a constituée, alors il devient intellectuel. Autrement dit, un savant nucléaire n'est pas un intellectuel, c'est un savant, dans la mesure où il fait ses recherches. Le même savant, si tout en faisant ses recherches nucléaires, il s'aperçoit qu'il va faciliter par ses travaux les possibilités de guerre atomique, s'il dénonce la chose, c'est parce qu'il la sent comme une contradiction. Il fait l'universel dans la mesure où il étudie la physique nucléaire et il crée un conflit, possibilité d'un conflit singulier dans la mesure où précisément ce travail peut être utilisé aux fins de guerre. Si en même temps, comme c'est arrivé souvent, certains nombres de savants nucléaires se réunissent pour déclarer qu'ils ne veulent pas que leur travail soit utilisé à ces fins-là, ils vivent leurs propres contradictions, ils montrent en même temps et dénoncent la contradiction extérieure, je dis qu'ils sont des intellectuels. Dans ces conditions que vous voyez, l'intellectuel a un aspect double. Il est à la fois un homme qui fait un certain travail, et il ne peut pas ne pas être cet homme-là. Il faut qu'il le fasse, ce travail, parce que ce n'est pas en l'air qu'il découvre ses contradictions. C'est dans l'exercice de son métier. Et en même temps, il dénonce ses contradictions, à la fois à l'intérieur de lui-même, parce qu'il ne se comprend plus, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles, il ne se comprend plus, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles qu'on a prétendu qu'il faisait, à ce moment-là, il est intellectuel, et par conséquent, c'est cette double contradiction qu'il dénonce. Il la dénonce parce qu'il en souffre. Il ne la dénonce pas extérieurement parce qu'il la découvre dehors, il la dénonce parce qu'il en souffre. Parce qu'il en souffre à sa manière, comme d'autres qui sont exploités ou aliénés peuvent souffrir. Simplement, bien sûr, c'est autre chose. C'est une souffrance qui n'est pas vivante, vécue, de même titre, ce n'est pas une souffrance qui est dans le besoin. Mais c'est précisément la découverte de l'aliénation en soi et hors de soi. Donc, si l'intellectuel ne découvre pas constamment en soi sa contradiction, si par conséquent il n'exerce pas constamment son métier d'intellectuel, ou bien son métier de savant ou de technicien du savoir pratique, il est dans les nuages. Si au contraire, il continue à le faire, il se trouve dans une contradiction. Parce qu'il faut à la fois qu'il témoigne pour tous de la contradiction qu'il a, puisque c'est la même que celle des autres, vécue sur un autre plan, autrement, mais c'est la même. Donc, il faut à la fois qu'il fasse son métier et qu'il s'engage dans la manifestation des contradictions de la société. Il y a les deux. Et l'un sans l'autre n'est pas possible. Plus simplement, mes amis du tiers-monde ont la gentillesse d'être bien avec moi. Mes amis cubains m'ont fait confiance et m'ont dit, quand vous reviendrez à Paris, parlez de la révolution cubaine. Je l'ai fait. Je l'ai fait dans France Soir. J'ai fait une quinzaine d'articles dans France Soir. Mais croit-on que si je n'avais pas écrit des romans ou des essais, on m'aurait donné à François la possibilité d'avoir pendant 15 jours une page entière? Alors, vous comprenez, vous me dites les Algériens ou les gens du tiers-monde se croient en position d'exiger tout de leurs amis et compagnons. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut savoir ce que signifie ce tout pour chacun. Et il faut voir qu'un politique et un intellectuel sont deux choses complètement différentes. Exiger d'un politique qu'il soit, qu'il fasse tout pour la cause qu'il sert, ça veut très exactement dire qu'il se maintienne constamment sur le plan politique,
qu'ils sont en disponibilité politique perpétuelle, qu'ils fassent des actions communes avec ceux qui les font dans ce sens, et qu'en même temps, ils déterminent un but en fonction des possibilités qu'ils découvrent dans le champ des possibles présents. Exiger d'un intellectuel qu'il fasse tout, c'est tout à fait autre chose. L'intellectuel est sans pouvoir. Il est sans pouvoir parce que, finalement, c'est un homme qui vit sa contradiction à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'a donc aucun pouvoir réel, aucune efficacité réelle. On pourra revenir là-dessus, si vous le voulez. Et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir. Mais précisément, il faut lui demander de s'engager totalement en tant, justement, qu'il a un travail réel et qu'il a une efficacité sur un autre plan. Parce que c'est là qu'il est contradictoire. Et par exemple, je répondrai à l'inverse aux gens qui disent « Mais pourquoi vous vous occupez de politique, bornez-vous donc à écrire, n'est-ce pas ?» Qui sont en général des amis, c'est-à-dire des gens qui connaissent plus longtemps, qui aiment plus ou moins, mais enfin en général bien, ce que j'écris, et qui disent « Mais enfin, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. » Ils ne comprennent pas que ce que je fais n'aurait pas de sens si ça n'était pas précisément à l'intérieur de cette contradiction. Cette contradiction, à la fois née entre ce que je fais et ce que je suis, et elle revient sur ce que je fais pour déterminer le sens même de mes travaux. Autrement dit, d'une certaine façon, si je ne faisais pas partie du tribunal Ancel, je n'écrirais pas Flaubert. Vous me direz, je l'ai écrit avant. Mais je vous dirais qu'à ces époques-là, il y avait d'autres travaux du même ordre. On ne peut pas distinguer, d'une certaine façon, entre les deux termes de la contradiction. Ils sont unis en même temps qu'incompatibles. Par conséquent, chaque fois, je me rappelle par exemple que vers 52, quand j'étais au congrès de Vienne et que je me suis rapproché de mes amis communistes, beaucoup de mes amis me l'ont reproché, non pas parce que je me rapprochais des communistes, parce qu'ils disaient « qu'est-ce que vous allez faire là-bas, etc. » Le fait est que les années que j'ai passées à ce moment-là, avec le mouvement de la paix, avec d'autres formations, à travailler en commun, m'a donné, je le crois, une expérience et une compréhension, une foule de choses qui me servent, même à présent, pour écrire le Flaubert. Alors, pour revenir à la guerre du Vietnam proprement dite, pourquoi aujourd'hui vous préoccupe-t-elle tellement? Je veux dire, quel type de danger comporte-t-elle? Eh bien, naturellement, c'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Mais ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position au début de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument visible, d'un point de vue éthique qui consisterait à dire ce qui est vrai, qu'il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, super armés, contre une nation où les paysans dominent, qui a quelques millions d'hommes, et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions. Aériennes, par exemple, bien que cependant, elles tiennent et elles tiennent dures. Ce n'est même pas de ce point de vue. Car ici, la position qu'on doit avoir est une position non pas seulement morale, mais politique et sociale. En vérité, la guerre du Vietnam représente à la fois la réalisation dernière et le symbole de ce que c'est que l'impérialisme. L'impérialisme qui est le résultat de certaines structures sociales, à savoir de la forme du capitalisme monopolistique d'aujourd'hui. Là, je vois ici notre plus grand danger. C'est-à-dire que, étant précisément à l'intérieur d'une société capitaliste, étant déchiré par les contradictions de cette société, à partir de là, souhaitant une autre société, je me trouve
du côté de ceux qui dénoncent précisément cette société et qui luttent contre elle. Et précisément à cause de ça, je constate que le dernier développement de l'impérialisme, c'est la guerre du Vietnam Clinton. Parce que les seuls réseaux que l'on peut donner pour la présence agressive des Américains au Vietnam, ce sont des réseaux qui concernent l'impérialisme. Des raisons non pas tellement économiques dans ce cas-là que politiques et stratégiques. C'est précisément pour ça que je considère que si on abandonne cette lutte pour l'indépendance du Vietnam, je dis bien pas seulement pour la paix, mais pour l'indépendance du Vietnam, si on l'abandonne, si on laisse faire, c'est admettre que la société capitaliste, avec ses chaos, ses contradictions, mais sa possibilité aussi bien de colmater toutes les fissures, va se continuer. C'est admettre que la coexistence pacifique sera au profit des impérialistes. C'est admettre, si vous voulez, que les Américains, dans le monde actuel, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est accepter l'hégémonie américaine. Un triomphe des Américains au Vietnam, ce serait en même temps une sorte de triomphe anticipé dans l'Amérique latine. Ça aurait pour effet de décourager un certain nombre de gens, de faire régner une Pax Americana sur le monde. C'est précisément cela que un grand nombre de gens dont je suis veulent combattre. Dans ce tribunal dont vous êtes le président, ce tribunal est prévu... Un grand nombre de gens dont je suis veulent combattre. Dans ce tribunal dont vous êtes le président... Ce tribunal est prévu, votre siège est déjà fait. Il y a des gens qui se disent que ça pourrait être une sorte de tribunal de comédie. Vous me posez plusieurs questions à la fois, et je vais essayer de vous y répondre successivement. Mais d'abord, qui êtes-vous pour juger ? Je suis, mais n'importe qui. Ce que le tribunal veut précisément faire, c'est que n'importe qui soit concerné, que n'importe qui puisse apprécier d'une manière juridique, en fonction d'un certain nombre de lois internationales que nous n'inventons pas, qui existent, la politique américaine. Vous savez que Luther disait « tous les hommes sont prophètes ». Eh bien, en somme, tous les citoyens doivent être capables de juger, d'apprécier. Tous les citoyens ont le droit de juger, d'un point de vue juridique et légal, la politique d'un gouvernement, parce qu'elle les concerne, non pas seulement aujourd'hui dans le One More, la leur, mais celle de leur gouvernement, mais étant donné qu'il n'y a qu'un monde, celle de tous les gouvernements. En somme, c'est précisément en tant que nous sommes n'importe qui que nous pouvons apprécier les choses. Ça veut dire, il y a des lois internationales, nous ne les inventons pas. Il y a des lois établies par la Convention de Genève, par le pacte de Kellogg. Il y a des lois auxquelles les Américains ont mis eux-mêmes la main, c'est-à-dire les statuts de Nuremberg, qui ont permis de juger les coupables. Qui étaient les Américains pour juger ces coupables? Ils étaient uniquement les vainqueurs. Car il est bien évident que si les Allemands avaient été vainqueurs, il y aurait peut-être eu des tribunaux. Mais c'est Churchill ou Eisenhower qui auraient passé devant. Donc, la force ne donne pas la légalité. Et ce qui a précisément entaché le procès de Nuremberg aux yeux de beaucoup de gens d'irrégularité, c'est qu'au fond, il était fondé sur la force, sur une victoire. Ce qu'il y a au contraire dans notre cas, c'est que nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucun pouvoir. Je vous le répète, c'est ça le caractère des intellectuels. Et nous ne pouvons pas donner de sanctions, nous ne pouvons pas décider que nous allons châtier tel individu ou tel groupe d'individus, parce que ce serait absurde, nous n'avons pas les moyens. Mais ce que nous avons le droit de faire, c'est de dire, vous, impérialistes, qui avez fait des lois générales et internationales pour contre certains aspects que peut prendre une guerre, tombez-vous ou non sur les lois que vous avez faites vous-même, sous le coup de ces mêmes lois. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'inventons aucune loi, nous nous bornons, en tant que citoyens, à voir si ces lois permettent ou non de condamner une entreprise
et les responsables de cette entreprise. Ça revient à dire, si vous voulez, au terme de l'enquête, nous conclurons par exemple, ou bien tel type d'accusation doit être abandonné, ou parce qu'elle est insuffisamment prouvée, ou parce qu'il est prouvé au contraire qu'elle ne tient pas, ou bien cette accusation est réelle, elle est prouvée, il est prouvé que les gens sont coupables, alors primo, nous disons que l'action en elle-même est condamnable au nom de telle loi, et que d'autre part, les gens qui en sont responsables et que nous pouvons nommer, s'il y avait un tribunal que vous dites régulier, mais qui en fait veut dire est fondé sur la force, tomberait sous le coup de telle stipulation qui ferait que la condamnation irait de temps à temps. Ils encourraient une peine qui irait par exemple de 10 ans à la perpétuité ou à la mort. Voilà exactement en quoi le fait d'être n'importe qui permet de faire un jugement plus légal, la condition justement qu'il ne soit pas exécutoire, que un jugement qui serait fait par un tribunal institué par la force, car dans le domaine international, il n'est possible de faire une jurisprudence que basée sur la force. Autrement dit, le tribunal de La Haye ne fait rien du tout, parce que le tribunal de La Haye n'a pas de force. L'UNO ne peut rien juger du tout, parce que l'UNO n'a qu'un embryon de force. C'est déjà trop, parce qu'il y a des intérêts en jeu, pour permettre une vraie légalité, mais ça n'est pas assez pour permettre un vrai jugement. Et vous me direz, mais au fond, vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, puisque effectivement, il s'agit d'une guerre entre les Américains et les Vietnamiens. À cela, je vous répondrai d'une part que ça regarde tous les hommes, étant donné que justement le danger d'une guerre atomique ou le danger de l'établissement d'une Pax Americana nous menace tous. Et deuxièmement, je vous dirai que l'intellectuel est ainsi fait qu'il se mêle toujours de ce qui ne regarde pas. Parce que va-t-on reprocher à l'intellectuel? Précisément, ce que mes amis me reprochent, c'est faites donc votre travail sur Flaubert. Laissez donc les Américains tranquilles, ça ne vous regarde pas. Flaubert vous regarde. Et ça n'est pas vrai. Ce qui me regarde profondément, c'est justement ce qui ne regarde pas. C'est-à-dire, c'est le fait que dans mon travail même, sur Flaubert ou sur autre chose, j'entre en contradiction avec moi-même. Et j'entre en contradiction avec la société extérieure. Et je ne puis terminer ce travail que si, en même temps, je fais partie, par exemple, de ce tribunal. Parce que la guerre du Vietnam conteste mon travail, et d'une certaine mesure, mais sans efficacité, mon travail conteste cette guerre. Qu'est-ce que vous dites? Vous auriez pu l'écrire. Pourquoi un tribunal? Pourquoi ce simulacre de tribunal, précisément? C'est-à-dire ce qui implique des commissions juridiques, ce qui implique un appareil, ce qui implique une certaine pompe, que vous le vouliez ou non. Parce que ce tribunal est un effort pour une prise de conscience. Nous voulons, en nous édifiant nous-mêmes, et publiquement, édifier les autres. Je vous donne des exemples. Les journaux américains rapportent que certains bombardements sont très destructeurs en ce qui concerne les vies humaines, les vies des civils. Certains journaux américains rapportent que des membres du FLN arrêtés ou capturés dans le combat sont ensuite torturés. On rapporte ces choses. L'opinion publique en est demi-informé, demi-pas. Il faut les vérifier et, si elles sont vraies, les imposer. Il faut que la vérification soit en elle-même une destruction d'un mythe ou bien l'imposition d'une vérité. Ce tribunal siégera longtemps parce qu'il faut que les gens qui en entendent parler prennent une lente conscience de ce qu'est la guerre du Vietnam. Et cette conscience, nous ne pourrons leur faire prendre qu'en la prenant nous-mêmes. Autrement dit, et c'est à ça que je réponds à une dernière de vos questions, vous dites nous sommes prévenus. Non, nous sommes radicalement contre l'impérialisme. Mais nous ne prétendons pas qu'une politique capitaliste et bourgeoise, contre laquelle nous sommes en principe, soit nécessairement une politique criminelle. Par exemple, je suis personnellement totalement contre
le gouvernement de Gaulle et la politique sociale que ce gouvernement mène. Je ne dirai jamais qu'elle est criminelle. Ça n'a pas de sens. Elle ne tombe sous le coup d'aucune loi. On peut la combattre. On peut la combattre aux élections, on peut la combattre par des grèves, on peut la combattre par différents moyens, mais la combattre et la refuser, ça n'est pas la déclarer criminelle. Je peux donc très bien considérer que la guerre du Vietnam est une conséquence nécessaire de l'impérialisme contre lequel je lutte, et déclarer que par ailleurs elle n'est pas criminelle. Le problème sur lequel nous sommes absolument sûrs et prévenu, c'est que nous sommes contre l'impérialisme. Le problème que nous voulons étudier, c'est est-ce que, ici, nous arrivons au moment où l'impérialisme passe du niveau de politique, certainement contre la majorité et pour une minorité, à un niveau politique criminel et dénoncé par des lois existant déjà. On peut parler de Flaubert maintenant. Bien sûr. Avec pas d'objection. Quel est le sens de ce long travail auquel vous avez commencé de vous consacrer il y a 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Ça, c'est le premier point. Et deuxième chose, est-ce que ça n'est pas un peu une fuite? Et troisième chose, pourquoi est-ce que c'est Flaubert que vous avez choisi? Pourquoi précisément Flaubert? Alors que d'après ce que vous avez dit à l'instant, il semble qu'il ne réponde pas à vos critères de l'intellectuel. Eh bien, je crois que j'ai commencé Flaubert, non pas il y a 10 ans, mais il y a 20 ans, que je me suis dit que je ferais un livre sur Flaubert. Parce que précisément, je le considérais à ce moment-là comme aux antipodes de cet engagement d'intellectuel dont nous venons de parler. Et parce qu'il m'agaçait profondément. Parce que je ne l'aimais pas. Ce qui est certainement une manière d'être fasciné. Enfin, je ne l'aimais pas du tout. Et puis, petit à petit, le problème s'est posé un peu différemment pour moi. Flaubert devenait un être objectif, un objet. Et il s'est agi pour moi, et ça fait partie par conséquent de l'engagement intellectuel, de voir si on pouvait non pas faire une synthèse théorique des différentes méthodes pour connaître un homme, mais une synthèse pratique. Voilà un personnage qui a parlé de lui intarissablement. Il dit qu'il n'en a pas parlé, en fait, tous ses livres parlent de lui, il n'a pas dit « Madame Bovary, c'est moi », mais il a dit des choses analogues. D'autre part, il y a une correspondance qui nous livre presque tous les jours de sa vie. Bon, d'autre part, nous avons aujourd'hui des méthodes. Des méthodes pour connaître un homme. Des méthodes qui sont soit le marxisme, c'est-à-dire la considération de l'homme à partir de la société, des structures sociales, des institutions, des classes, du mouvement historique. Des méthodes sociologiques qui peuvent ainsi étudier un groupe, l'appartenance au groupe, le type de vie et de conditionnement par ce groupe, des méthodes analytiques, psychanalytiques, qui consistent à étudier les réactions d'un homme à partir des totalités structurées de l'enfance, d'autres méthodes encore, et toutes ces méthodes, comme vous le savez, si on les prend sur le plan théorique, abstrait, s'opposent entre elles. Les marxistes détestent les psychanalystes ne touchent pas au marxisme, les sociologues sont également complètement ailleurs. Il ne s'agit pas de faire un rapprochement théorique. Ça n'est pas aujourd'hui possible. Le problème est de savoir, est-ce qu'on peut, dans l'étude d'un homme qui a donné tant d'évidence sur lui-même, est-ce qu'on peut arriver plus loin en l'étudiant simultanément de tous ses points de vue? Et est-ce qu'à ce moment-là, on ne trouve pas une cohésion pratique de ce qui est refusé sur le plan théorique? Ça a été le deuxième plan. Autrement dit, Flaubert, c'était pour moi à ce moment-là, comment connaître un homme. Et puis maintenant, alors il y a la fréquentation.
Il y a 10 ans maintenant que je le fréquente, et j'ai bien changé. Ça n'est plus du tout l'ennemi type, c'est un peu un frère ennemi, si vous voulez. Je le comprends mieux, je crois mieux le comprendre, et ça, si c'est vrai, ça prouve que j'ai eu raison de faire cette étude comme ça. Je pense en même temps que c'est un homme qui donne l'impression de ne pas être un intellectuel, parce qu'il n'a pas été engagé, mais qui a de l'intellectuel ceci, c'est qu'il a souffert de ses contradictions plus que personne. Précisément parce qu'il ne pouvait pas en sortir. Et qu'en tant que tel, il mérite très profondément cette qualification. Alors vous me demandez si c'est une suite. Ben, je me le demande de temps en temps aussi. Parce que je vous ai dit au départ, n'est-ce pas, que il fallait le travail et l'engagement pour qu'il y ait la réalité de l'intellectuel. Bon. Mais, en effet, j'étudie un homme, c'est pas tout à fait parce qu'il n'est pas engagé, mais je me dis, j'étudie un homme qui a vécu les contradictions d'une société qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, de la société bourgeoise au moment de l'accumulation du capital. Il posait les problèmes autrement, il était d'ailleurs de famille en partie rurale. Les problèmes et les contradictions ne sont pas les nôtres. Est-ce que je ne fuis pas dans le passé des choses trop fortes aujourd'hui? Je vous répondrai que c'est possible. C'est possible par moment. Parce que, comme je vous le dis, la condition intellectuelle est très difficile à réaliser et à tenir. Alors, c'est une chose qui est probablement en partie une suite que d'aller se réfugier là, c'est-à-dire d'éviter le lourd poids des réalités et non seulement l'évolution générale du monde dans laquelle on est pris, qui n'est pas très encourageante, mais encore des tas de déceptions particulières dans des luttes politiques. Bref, il y a une tentation. Mais je dois vous dire que c'est ça qui constitue aussi l'intellectuel et sa contradiction, c'est qu'il a envie de ne pas être intellectuel. Ce n'est pas agréable d'être intellectuel. Il vaut beaucoup mieux faire un travail rigoureux, par exemple, étudier un auteur en s'occupant uniquement des problèmes qu'il pose, ou bien faire des recherches scientifiques. C'est beaucoup plus agréable que de rester comme ça, le pied entre deux chaises, à méditer sur ses propres contradictions et sur les contradictions du monde. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme ça et qu'il faut résister à ses fuites. Autrement dit, il s'agit de, dans le cas de mon travail sur Flaubert, d'éviter l'anecdote, d'éviter de me complaire dans la restitution de l'anecdote et d'essayer plutôt de chercher l'application des méthodes, parce que ça nous remet sur le terrain du monde contemporain et des recherches contemporaines. Il y a une mode aujourd'hui en France, c'est de vous tirer un grand coup de chapeau, comme un monument historique, puis de vous enterrer. Certains vous présentent comme un vieux fonctionnaire infatigable de l'humanité, comme le dernier des penseurs du XIXe siècle, égaré dans le nôtre, ou encore comme le dernier des philosophes, ce qui revient à dire que la philosophie n'a plus de sens et qu'on peut tranquillement se débarrasser et d'elle et de vous pour s'adonner enfin à la vraie science. Or, vous avez à peine répondu à ces attaques. Qu'en pensez-vous, ça? Je pense qu'elles sont légitimes et que j'aurais bien mauvaise grâce à m'en offusquer, étant donné que moi-même, je me suis fait les dents pour commencer sur Mauriac, qui d'ailleurs ne l'a jamais oublié, disant je pardonne les offenses, mais je ne les oublie pas. Donc, je considère que c'est bien mon tour. Mauriac devait avoir à peu près mon âge au moment où j'attaquais ses romans. D'autre part, je pense aussi que c'est me faire bien de l'honneur de me dire dernier penseur du 19e siècle, parce que si je suis le dernier penseur du 19e siècle, aujourd'hui, je suis aussi le dernier penseur du 20e, parce que je ne vois pas que les autres puissent être considérés comme des penseurs. Ce sont ou bien des rhétoriciens, simplement des rhéteurs, ou bien des sophistes. Mais ça, ils se font les dents, ils feront autre chose, ils deviendront autre chose, ou ils disparaîtront, peu importe. En tout cas, si j'en parle peu, c'est parce que je ne pense pas qu'il y ait lieu de perdre son temps à répondre à des attaques. Il y a à faire ce qu'on a à faire. Je ne m'en vais pas défendre mes intérêts idéologiques en me lançant dans des controverses passionnées, comme font par exemple les gens du nouveau roman, s'attaquant entre eux, puis entre eux, il faudrait mieux d'écrire des romans qu'ils ne font plus maintenant. Je pense qu'ils devraient le faire. Et de même, moi, je travaille Flaubert. C'est ma seule réponse. Et c'est au public ensuite à juger, c'est au
aux gens qui travailleront après de voir si ces méthodes sont bonnes ou si elles ne le sont pas. Vous voulez rien dire de plus? Non. Très bien. Bon, alors je voudrais qu'on revienne à autre chose. Tout à l'heure, quand Madeleine vous a demandé qui êtes-vous pour juger, vous avez répondu, mais comme ça, sans réflexion, n'importe qui. J'aimerais que vous en parliez. Par exemple, à la fin de votre livre Les mots, vous posez une question à propos de vous-même, vous vous posez une question à vous-même, et la question est celle-ci, que reste-t-il? Et vous répondez, c'est votre réponse, tout un homme fait de tous les autres, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. Aussitôt après l'apparition des mots, on vous a décerné le prix Nobel de littérature. Vous l'avez refusé, et ceci a fait dire à quelqu'un qui vous aimait bien, et je trouve ça extrêmement drôle, et j'aimerais que vous parliez là-dessus, décidément, Sartre est plus n'importe qui que n'importe qui. Eh bien. Décidément, Sartre est plus n'importe qui que n'importe qui. Eh bien. Vous voyez, quand je dis tout un homme fait de tous les hommes, ça vaut pour moi comme pour tous, et ça signifie par conséquent une telle communauté en profondeur entre les gens que vraiment ce qui les sépare c'est le différentiel. Autrement dit, je trouve que il vaut mieux essayer de réaliser en soi, dans son aspect radical, la condition humaine, autant qu'on le peut, que de s'accrocher à une mince différence spécifique, que nous appellerons par exemple le talent, qui est un crime contre soi-même et contre les autres, parce que c'est s'attacher uniquement à ce qui sépare. En vérité, quand je dis que je suis n'importe qui, je veux dire les différences qui font l'objet de vanité, de recherche et d'ambition, sont si minces qu'il faut vraiment être très modeste pour les rechercher, et en même temps, on se l'utile. Ce que je trouve, au contraire, que je ne puis réaliser moi-même, parce que je suis, c'est ma contradiction bourgeois, c'est certains rapports extrêmes avec la mort, le besoin, l'amour, la famille, dans un même moment de danger, qui fait que, à ce moment-là, on touche à la vraie réalité humaine, c'est-à-dire à l'ensemble des rapports vécus tous les termes limites de notre condition. Ça, pour moi, c'est pour ça que j'ai eu le respect pour les gens qui vivent dans ce domaine, par exemple, si vous voulez, pour ce qu'étaient des paysans cubains avant la Révolution. Dans la misère, dans la souffrance, à mon avis, ils réalisaient infiniment mieux ce que c'est qu'un homme, que M. de Monterland, par exemple. Et c'est ça que je veux dire. Cependant, je pense que dans ces conditions, être n'importe qui n'est pas simplement une réalité, c'est aussi une tâche. C'est-à-dire refuser tous les traits distinctifs pour pouvoir parler au nom de tout le monde. Et on ne peut parler au nom de tout le monde que si on est tout le monde. Pas chercher à la manière de tant de pauvres mes confrères, le surhomme, mais au contraire, être le plus homme possible, c'est-à-dire le plus semblable aux autres. Donc il s'agit en effet d'une tâche. Autrement dit, je suis complètement d'accord avec un des idéaux de Marx, qui veut que lorsque un bouleversement de la société aura supprimé la division du travail, il n'y aura plus d'écrivains d'un côté, attachés à leur petite particularité d'écrivain, à leur petit talent d'écrivain, et puis de l'autre, des mineurs ou des ingénieurs, mais qu'il y aura des hommes qui écrivent, et qui par ailleurs font autre chose, mais qui écrivent en ce moment. Parce que l'activité d'écrire est une activité absolument liée à la condition humaine, c'est l'usage du langage pour fixer la vie. C'est donc une chose essentielle. Mais elle ne doit précisément pas pour ça être confiée à des spécialistes. Elle est actuellement confiée à des spécialistes en fonction de la division du travail. Mais dans la réalité, il faudrait concevoir des hommes qui seraient polyvalents. Je ne sais pas si c'est réalisable. Ça, c'est un autre problème. Je sais qu'en tout cas, nous devons essayer
chacun individuellement, les écrivains par exemple, de penser les choses comme ça. Et le prix Nobel de littérature aurait été une distinction. Le prix Nobel de littérature aurait été précisément une petite distinction, séparation. Un petit pouvoir, une séparation. Moi, je n'ai de rapport qu'avec mon public. Mais est-ce que vous auriez accepté, Sartre, le prix Nobel de la paix? Non, pas plus que le prix Nobel de littérature. Ce que j'aurais accepté avec reconnaissance, c'est le prix Nobel au moment des 121. Parce qu'à ce moment-là, je ne l'aurais pas considéré comme me distinguant, mais comme une preuve de solidarité dans les pays étrangers touchant une action radicale contre la guerre. À ce moment-là, oui. Mais je ne l'aurais pas considéré comme étant à moi. Comme un acte politique. Comme un acte politique. Et le Nobel de littérature ou le Nobel de la paix? Peu importe à ce moment-là. Ça aurait été quand même, bon. Ça aurait d'ailleurs résolu la... Contradiction. Absolument. Mais précisément pour ça, on ne l'a pas donné à ce moment-là, mais cette contradiction n'est pas possible à résoudre. Dans les séquestrés d'Altona, il y a un personnage, le père, qui est chef d'un grand empire industriel et qui dit à peu près ceci, parlant à son fils, à qui il a décidé de léguer son empire. Il lui dit, voilà... Longtemps que je ne décide plus rien, je paie des gens pour me faire connaître les ordres que je dois donner. À cette différence près que vous ne payez personne, quel est actuellement votre pouvoir de décision par rapport à la personnalité Sartre telle qu'elle est constituée aujourd'hui? Il est de plus en plus mince. Vous voyez, au fond, d'une certaine manière, ça revient à dire... comme Valérie, on est plusieurs Socrates et l'on meurt un seul. Il y a des possibilités qui disparaissent. Seulement, ce qui est plus compliqué qu'il ne le dit, c'est que ce n'est pas seulement le poids des choses faites et dites qui diminue de plus en plus la liberté de décision, mais c'est aussi le poids des choses faites et dites dans la mesure où les autres leur prennent et vous constituent comme une certaine personnalité. Il est très certain que quand j'avais 8 ans et que j'ai décidé d'écrire, je ne voulais pas être un intellectuel. Je ne savais même pas ce que c'était. Je voulais être un écrivain. Mais, évidemment, le choix comprenait en germe une nouvelle décision qui m'a fait devenir très tôt intellectuel et choisir vers 18 ans la philosophie en même temps que la littérature. Mais ensuite, il est certain que le début de mes travaux ne débouchait pas sur la politique, ne débouchait même pas sur l'humanisme. C'est la période que le Castor a racontée dans La Force de l'âge. Et puis, après, monde a fait qu'il a fallu s'engager dans la résistance, par exemple, ou en tout cas avec la résistance, qu'on a pris une première position politique. Et il est arrivé que, poussé par ce courant, j'ai fait une conférence en 1945. Qui a déçu énormément de gens qui avaient lu La Nausée et que j'avais intitulé « L'existentialisme est un humaniste ». Cette conférence est mauvaise, mais ce n'est pas ça qui les scandalisait. Ce qui les scandalisait, c'est que j'avais été amené par une suite de postes de position d'engagement successifs à renier, selon eux, ce qu'il y a de non-humanisme dans La Nausée. Alors ce que je considérais comme un progrès était pour eux une sorte de recul. Ça a continué comme ça, c'est-à-dire que je me suis trouvé à écrire des choses, puis j'ai vu des gens qui venaient et qui me disaient, au nom de ce que vous avez écrit, vous ne pouvez pas ne pas faire telle chose. Et quand c'était vrai, j'adhérais. Bref, ça a continué. Et puis, au fur et à mesure, chaque fois que j'écrivais, on me demandait quelque chose en fonction de mes écrits en disant, mettez votre pratique en accord avec vos actes. Et je le faisais, et je me suis trouvé ainsi, à un moment donné, constitué par un ensemble d'hypothèques que le public et les gens qui me lisent ont sur moi, qui ne correspondent pas toujours à mes choix premiers. Par exemple, je vous dis, je voulais être écrivain, je ne voulais pas être intellectuel. Je voulais être intellectuel, je ne voulais pas être politique. Mais que je suis obligé d'assumer, finalement, parce que ça, c'est moi pour les autres. Et comme moi pour moi, ça n'existe pas. Pas plus que pour les autres, ou alors c'est une torture. Le moi pour moi, c'est vraiment le malheur. En fait,
Donc, je suis obligé d'assumer une personnalité qui m'échappe par beaucoup de côtés. Et qui décide en dehors de moi, très souvent. Car, en effet, si j'ai pris part à un certain type de manifestation pour telle question politique, je suis obligé de prendre part à une manifestation analogue pour un problème qui relève, au fond, des mêmes questions fondamentales. Me voilà donc, comme ça, m'échappant. C'est ce que j'appelle dans la critique de la raison dialectique la montée du pratico-inerte. C'est-à-dire que tout ce qui a été choix libre devient ensuite un conditionnement matériel, inerte, n'est-ce pas ? Tu as fait telle chose à telle époque, et ben, bon, c'est là. Et il faut se définir par rapport à ça. Il n'y a rien à faire, ce sera toujours ainsi. Mais je pense que finalement, c'est ce qui arrive à tout le monde, si vous voulez. C'est-à-dire, hein, c'est le vieillissement. C'est-à-dire que Horst a fait un très bon article là-dessus dans les Parfums modernes, qu'il a signé Gorce. Il y a un vieillissement social qui n'a rien à voir avec le vieillissement psychologique ou physiologique. C'est tout à fait autre chose. C'est le fait que, par exemple, lui disait, ben, maintenant, je n'ai plus l'âge où je peux changer de carrière parce que je suis trop vieux pour que un apprentissage long soit rentable. Donc, je n'en aurai pas dans telle carrière. Donc, je suis de plus en plus confiné à la mienne. Ben, finalement, c'est ce qui m'arrive aussi. Il m'arrive aussi, j'ai renoncé de très bonne heure à mes rêves d'être danseur de corde. J'ai eu quelquefois vers 8 ans, sans gêne. Ben, je dois également renoncer, finalement, à être autre chose que cette espèce de composé hybride de ce que j'ai voulu être et ce que les autres m'ont fait. Finalement, c'est ça ma réalité objective. Elle est aliénée, c'est normal. Nous sommes tous aliénés. Il faut se débrouiller comme on peut. Alors il me reste une petite marge de choix. Hein, il faut l'utiliser jusqu'à ce que la masse pratico-inerte ne me donne plus aucun choix. À ce moment-là, je serai une potiche. Oui. Mais en même temps, c'est pas tout à fait juste ce que vous dites, parce que c'est votre liberté. Après tout, toute mais la liberté consiste dans l'engagement. Et l'engagement, en se transformant en pratico-inerte, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que je n'ai pas voulu, c'est ce que je dois vouloir. Ça revient au même. C'est-à-dire qu'au fond, je dois vouloir cela. Et je pense que finalement, c'est ça. On doit finir par être un bloc de ciment un peu avant de mourir. C'est la vérité, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions de la vie humaine. Si vraiment on fait une entreprise, on s'engage, on est de plus en plus celui qui a fait ça. On est pris de plus en plus le côté différent par des générations qui changent. Je vous dis, il y a une certaine personnalité Sartre qui existe pour les autres, que je ne connais pas complètement, qui varie, qui change, et qui cependant me conditionne puisque je dois l'assumer. Car je dois aussi bien assumer ce que je suis pour des amis du Mali ou de Cuba que ce que je suis pour le nouveau roman, par exemple. Oui, je dois toujours tout prendre, et je pense que tout le monde, au fond, doit être comme ça. Alors, si vous voulez, du moment que la liberté, c'est l'engagement, eh bien, la fin de l'engagement, c'est la disparition de la liberté. Seulement, on a accompli une vie, à ce moment-là. Pourquoi, Sartre, quand vous polémiquez, êtes-vous solidaire même des salauds que vous dénoncez ? Pendant la guerre d'Algérie, écrivant contre le général Salan et l'OAS, et vous adressant aux Algériens, vous disiez « nous ». Ce « nous » ne désignait pas les Algériens et vous, mais l'OAS et vous. Il y a un tic. Il y a d'abord que c'est un tic, que c'est une précaution rhétorique. Si, à l'époque de l'OAS, j'avais dit aux Français « vous êtes des salauds », ou si j'avais, m'adressant aux Algériens, dit « les Français sont des salauds », je l'avais été à part, je reniais ma condition de Français, que je ne peux pas renier, car c'est une réalité fondamentale, et je ne touchais pas les Français, ils se jugeaient insultés. Si au contraire, sous la forme confession, je dis « nous sommes des salauds », je fais passer. Nous torturons. Nous torturons. Nous torturons alors que vous combattiez la torture. Oui, parce que, c'est la première raison, parce que je pense que c'est au nom de la solidarité française que je dois à l'intérieur de la France
dénoncer un crime. Donc, je dois, en même temps que je le dénonce, le prendre pour bien. C'est la seule solution pour que les Français avalent la chose. Et en même temps, c'est un piège qu'on leur tend, parce que quand je dis « nous torturons », eh bien ce « nous », ils vont le prendre en disant « je torture », même s'ils sont simplement des indifférents, ou s'ils n'ont pas été touchés par la nouvelle, qu'ils ne l'ont pas entendue, et par conséquent, ça devient une invite à la prise de conscience chez eux-mêmes. Mais il y a autre chose qui est, je crois, plus profond. J'ai écrit dans Saint-Genet que il y a des gens à qui certains vices ou certaines constitutions sexuelles font horreur. Par exemple, j'ai connu des tas d'hommes qui avaient horreur de l'homosexualité. Les mêmes gens, alors ils considèrent ces gens-là que un homosexuel n'est pas un homme, qu'ils ne sont par conséquent absolument pas touchés par cela, ils refusent toute solidarité. Ces gens-là, par contre, se sentent concernés par l'exploit des cosmonautes. Ils considèrent, et à mon avis ils ont raison, que les cosmonautes ont réalisé pour eux une de leurs virtualités, une de leurs possibilités, que s'ils avaient été élevés autrement, que s'ils avaient eu une autre enfance ou une autre jeunesse, ils auraient pu eux-mêmes faire la chose. Ainsi, à ce moment-là, l'homme qui se détache vaut pour tous, représente une virtualité qu'en chacun. C'est très juste, mais pourquoi prendre uniquement, dans ce cas-là, celui qui va au plus haut, celui qui réalise une performance, le crime, la torture, le racisme, toutes ces choses-là, nous ne devons pas les considérer comme en dehors de nous, mais plutôt comme des réalisations également de nos virtualités. Il ne faut pas dire l'homme n'est ni bon ni méchant, il faut dire selon les circonstances, il est bon ou il est méchant. Ainsi, par conséquent, quand on considère le racisme, il ne faut pas considérer l'antiracisme comme un état de lutte avec l'extérieur. Là, nous revenons à l'effet actuel, il faut aussi le considérer comme un état de lutte contre soi. Je ne crois pas qu'on m'ait jamais traité de raciste. C'est pourquoi je puis dire que je suis certainement entaché de racisme par mon enfance et qu'on ne s'en débarrasse que par une lutte constante. Il y a eu chez moi à un certain moment une façon d'être trop gentil avec des gens qui venaient du tiers-monde, c'était alors les colonies, et qui m'apportaient un manuscrit qui était mauvais, un français, un blanc. J'aurais dit, il est mauvais. À eux, je prenais, pour le dire, des circonlocutions, que je prenais pour de la courtoisie, et qui en réalité trahissaient un certain racisme, dont d'ailleurs je me suis débarrassé depuis. Mais il y a certainement d'autres niveaux de racisme que j'ai encore et dont je peux me débarrasser. De la même manière, je ne pense pas que la croyance en Dieu, on puisse s'en débarrasser comme ça, c'est parce que ça se met dans tous les domaines, ça se retrouve partout, c'est une certaine croyance, un certain type d'absolu, une certaine possibilité d'être vu par un témoin tout puissant. Cette croyance-là, elle se met partout, et l'athéisme est une entreprise. On peut l'amener ou non, mais si on l'amène, il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas rayer la chose comme ça. C'est beaucoup plus compliqué. De sorte que, si vous voulez, je considère que, même par rapport à un bourreau, que je condamne sans la moindre hésitation, radicalement, même par rapport à un bourreau, je ne dois pas supprimer ce minimum de solidarité qui est que, qui sait, il y a une chose, et quand je le condamne, d'une certaine mesure, je me condamne moi-même en disant, si jamais je l'étais, je ne mériterais pas pitié. Il y a une chose qui m'a un peu troublé à un moment donné, au temps de la résistance, c'est que tous les gens qui étaient liés de près ou de moins à la résistance et qui étaient un peu conscients, se posaient la question, si on me torture, parlerai-je? Et que, ils disaient, je ferai tout mon possible pour ne pas parler, mais aucun n'était sûr. Cependant, si l'un de ces résistants parlait, tout le monde avait une sévérité terrible contre lui, il pouvait être exécuté s'il en échappait, ou en tout cas, on pouvait, après, l'accabler sous le mépris. Il y avait donc
Un drôle de jugement, puisque dans un des cas, on disait, ma foi, c'est possible, puisque moi, je ne suis pas absolument sûr de ne pas le faire, et dans l'autre cas, on disait, c'est impossible, c'est un traître, puisqu'il a parlé. J'ai compris depuis ce qu'il y avait d'assez propre dans cette position, c'est qu'au fond, ces gens qui tremblaient de parler et qui condamnaient leurs copains qui avaient parlé, c'était des gens qui se condamnaient eux-mêmes. Ils mettaient une espèce de lisière. Ils ne disaient pas, je n'ai rien de commun avec cet homme. Ils disaient au contraire, je suis cet homme en puissance. Mais précisément et préventivement, en le condamnant, je me condamne. C'est ce genre de solidarité, si vous voulez, que l'on doit avoir, même avec des tortureurs. C'est-à-dire les condamner rigoureusement, sans la moindre excuse, et en même temps savoir qu'on se condamne en tant qu'il y a des virtualités toujours louches en chacun. Ah oui, c'est à la fois un piège rhétorique qui est beaucoup plus profond en même temps le fait de dire non. Eh oui. Vous avez quel âge, ça ? Eh bien, je vais avoir 62 ans le 21 juin 1967. On arrête là. Ouais. Oh oui. Ça, vous lisez des romans policiers ? Toujours, oui. Toujours ? C'est plein dans votre appartement. Ah oui, chaque fois qu'il y a une série noire, j'achète. Ça aussi, c'est une fuite. Ah oui ? Oui. Vous lisez ici, à ça ? Oui, là. Oh, prétendant travailler ? Ben non, je ne prétends pas travailler à ce moment-là. Moi, enfin, le casseur me dit toujours, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne travaillez pas. C'est un roman policier. Et ça implique quoi, enfin, la lecture des romans policiers pour vous ? Quelle espèce de fuite ! Ah, je crois que c'est une fuite de dans l'enfance. Je retrouve les Pardaillons et tous ces personnages-là. Je n'aime dans le roman policier que là où il y a Malabar, un détective qui se fait tabasser d'abord, puis qui tabasse ensuite. Et qui triomphe. Et qui triomphe pour finir, toujours. Ça va passer la totalité du Flaubert. Non, il y en a une partie chez le Castor, mais enfin c'est une bonne partie. Le premier volume que j'espère publier cette année, enfin en octobre, novembre, ça fera à peu près comme 700 pages. 700, il y aura combien de volumes ? Deux. Le second sera plus bref, il y en aura 500. Et les mots, vous ferez une suite ? Eh oui, je voudrais bien, mais pas tout de suite. Après le tribunal ? Après le tribunal, après Flaubert.